Dans le bureau du président de la transition ce matin, c'est un chapitre nouveau de l'existence qui s'ouvre pour ces trois compatriotes gabonais et leurs familles respectives au quotidien. L'acte de ce jour est la réponse à une promesse faite à ces compatriotes en situation sociale délicate. Cette audience avec le président de la République marque une étape importante dans la matérialisation des promesses qu'il avait faites à nos compatriotes qui ont reçu aujourd'hui les clés de leur logement, parce qu'il n'est pas resté insensible à leur situation. Il vous souviendra que Mme Assengone avait interpellé Monsieur le Président de la République par le canal des réseaux sociaux. Madame Assengone est une dame qui malheureusement a été frappée d'une cécité secondaire. Elle ne voit pas et elle s'est retrouvée dans une situation, on va dire, assez difficile parce que étant en train de perdre le logement qu'il abritait. Nous avons la famille Feu Moulomba. Qui fut un acteur majeur de la vie politique nationale. Lors des obsèques de ce dernier, le président n'est pas resté insensible par rapport à le deuil que traversait la famille et il a voulu bien les aider en leur gratifiant, surtout à la progéniture d'un toit. De la parole à l'acte, auprès des masses sociales les plus défavorisées, le président de la transition confirme sa réputation de leader au grand cœur. Je pourrais dire à Dieu que je peux mourir en paix aujourd'hui. Mon époux aussi, savoir que nous avons laissé les enfants à l'abri. Monsieur le président, je bénis Dieu pour qu'il continue à vous élever et à vous protéger. Je pense que c'est la reconnaissance de mon travail. Il n'a pas arrêté de me le dire. Et il me félicite d'amener notre culture et d'honorer notre vert jaune bleu. Et je pense que je vais continuer à le faire. En gratifiant chacun des bénéficiaires d'une villa de trois chambres du lotissement de la SNIT dans la commune de Bikélé, le général Brice Clotaire Oligingema poursuit son œuvre pour la réduction des inégalités sociales et la restauration de la dignité des Gabonais.